D'après mes calculs, la Côte d'Ivoire qualifiée si le Mozambique et le Ghana font match nul et que le Cameroun bat la Gambie et que le Maroc bat la Zambie et que la Tunisie marque 3 buts contre son camp et que le Zimbabwe marque un corner rentrant et que l'Angola soit disqualifié pour dopage et que les Lakers battent les San Antonio Spurs et que la Namibie gagne de 12 buts d'écart et que la Guinée-Bissau perd de 8 buts d'écart et que Didier Drogba fait le grand écart et que Jonathan David réussit à faire 10 jongles et que le président ivoirien se fait renverser par un coup d'état et que les Magic System sortent un nouveau album et que il y a une tempête de neige à Abidjan et que Vladimir Poutine retire ses troupes de l'Ukraine et que la Terre s'arrête de tourner et que le soleil s'arrête de briller et que Michael Jackson et Pop Smoke ressuscitent et que Éric Zemmour devient musulman. Donc voilà les gars, en gros, si toutes ces conditions sont réunies les gars, la Côte d'Ivoire peut se qualifier. La Côte d'Ivoire passera les poules quand les poules auront des dents les gars. Ça aussi c'est une condition. Si les poules ont des dents, vous pouvez passer les poules. Je vais calculer les chances pour la Tunisie aussi les gars. La Tunisie c'est foutu les gars. Il n'y a rien à faire. Hein. J'ai fait tous les calculs.